Ici Azure Lynx et bienvenue sur Récord. Je ne sais même plus quelle partie. Étant donné que Red n'est absolument pas là, je vais jouer tranquillement tout seul sans son aide. Je suis malade. Salut Red, comment ça va? Ça va pas bien du tout. Je suis enfin Ouais. en vacances et quand je suis en vacances, je trouve le moyen de tomber malade. Ah bah alors ça c'est pas cool ça. Ouais, mais ça c'est à cause de mon frère, hein, là, vu qu'il m'a refilé de la maladie, hein. Sans foirer. La maladie des frangins, c'est la pire Ah des ouais. maladies. Mais je suis emmitouflé dans un truc, en fait, c'est un plaid. Mais c'est en faux poil de yak de cul. En cul de Un yak. faux poil de yak de cul. De cul de yak. C'est tout doux, mais ça fait du bien. Par contre, ça ne réchauffe pas les pieds. C'est ça qui me fait chier. J'ai les pieds au froid. Est-ce qu'on va être censuré pour cet épisode? Non. Alors, t'as vu les derniers épisodes, m'imagine toi. Oui, il me semble, mais ça date de petits moments déjà. Ouais. Rafraîchis-nous la mémoire. J'ai envie de te dire, ça fait moins longtemps que moi. Hein. Ouais, parce que je précise, lui, il a vu les épisodes. Mais moi, quand je les enregistre, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus tard, plus tôt. Avant de les avoir mis. Je les ai enregistrés il y a 2 mois. Et je Voilà. les ai mis qu'il y a 2 semaines. Donc, mon Donc, cher Fred, si je m'en où souviens est-ce que bien, tu en étais? on était enfin arrivé à voir tous les robots, parce qu'ils sont nombreux de 3, hein, avec Duncan. Comme je disais à la fin de ma dernière vidéo, je crois que comme j'ai dit, j'adore ce prénom. Je sais pas pourquoi, c'est complètement con, mais j'adore Duncan. Peut-être à cause de Duncan MacLeod, du clan MacLeod. J'allais la faire! Alors, À la fin, il va rester qu'un. ouais, bah regarde, maintenant il y a deux. Hop. Mac, notre ami Mac. La tête de corbeau, toujours aussi con d'ailleurs. Je sais même plus comment j'ai eu ce machin. S'il y en a un qui a vu les vidéos, qui sait comment j'ai fait, qu'il me le dise parce que je m'en souviens plus du tout. On allait que j'ai été pas mal occupé de mon côté, je suis désolé, ma mémoire est très faillible là-dessus. Et bon, bref, et on venait d'avoir Mac qui, je crois que son maître était mort dans son vaisseau de vieillesse. Enfin, du moins, on a retrouvé un squelette. Et Mac a Ah, la il est fin. mort de cause naturelle. Ouais, il est mort de cause naturelle. Et il est mort sans cœur, a arrêté de respirer. Ouais. Il est mort, son cœur a décidé de se barrer. Enfin bref, on a eu Mac qui nous permet éventuellement la possibilité, outrageusement, de péter les murs. Enfin les murs, les gros cailloux. Juste là. Attends. Est-ce qu'il est mort avec la tête attachée? Non, il est mort couché. Non, mais je veux dire, la tête attachée au corps. Ah oui. Ah non, parce que j'allais Oh. dire, Oh. si c'était Oh. détaché, c'est Mac qui lui avait coupé la tête, quoi. Mac? Mac, il connaît pas Mac, le mec qui est là-dedans. Mac, c'est le mien, c'est mon robot. Ça, Non, c'est mais... Duncan. Oui, Duncan, je veux dire. Ah, d'accord. Et Non. Duncan, il avait coupé la tête. Ah oui, on avait toutes les armes. Ça y est, toutes les couleurs, ouais. Donc, je sais pas si chez toi ça passe bien, que ça lag pas trop. Moi, j'espère pas. Oui, parce que à chaque fois que je suis là, quand il fait record, je suis en différé. Donc j'ai quelques lags. Et pour le moment, les araignées en prennent plein la gueule. Oh, d'accord. Oh, classe le pouvoir du gorille. C'est moi ou de faire une nova de feu là? Ouais, c'est moi qui lui demande, c'est avec j'ai la possibilité de lui demander. Hein? D'ailleurs, on n'a pas vu ce que c'était celle de 7. Peut-être que je la fasse, un de ces quatre. De speeder robot? Ouais, Spider, l'araignée qui a peur de. Je sais pas quoi. D'ailleurs, j'ai beaucoup rigolé quand tu l'as eu, les passages que tu avais bien galéré. Lesquels? Là, tu sais, quand tu dois monter sur les rails et tout ça, et que t'as Oh, ça galéré. va encore. Je trouve que j'ai moins galéré. Là où j'ai plus galéré, c'est pour le dernier boss là. J'avais beaucoup rigolé. J'ai un peu plus pleuré pour le dernier boss. Faut dire ce qu'il est. Mais bon. Ça se fait, hein, ça se fait. Enfin, y a pas de problème, hein. En tout cas, c'est un véritable régal ce jeu. Ah ouais, mais. Et je suis toujours déçu, hein. Toujours déçu parce il fait toujours pas parler de lui ce jeu. Ah, malheureusement, Eh non. il y a des jeux qui passent mieux que d'autres. Mais ouais, mais on t'entend toujours parler d'un Call of Duty Battlefield nanani Ouais, j'ai presque cru que t'étais un joueur de Battlefield, tellement nanana. Ouais, tu t'as vu parles ça? bien. T'as vu ça? Oh, mais Ça j'ai de bonnes références. se...
Oh, le trash talk. Et c'est vrai que ce jeu, bah, t'en as entendu parler à l'E3. Tout le monde a fait, ah ouais, je vais jouer, je vais jouer, je vais jouer. Je parle de l'E3 l'an dernier. Et puis, il est sorti, puis quoi? Non? Non? Pas de... Ouais, mais Ah, malheureusement, chut, c'est... j'en râle. Je peux parler? Bah non, pas fini. Ok. Voilà, c'est fini. Tu l'as pas entendu l'enregistrement? Ah mais non, c'est vrai que t'as Du pas le tout. son. Et ouais, je n'ai pas le son. D'ailleurs, en parlant de son, est-ce que tu as pensé à monter un poil plus ton son du jeu? Non. Parce que j'ai remarqué que dans ta dernière vidéo, le son était très bas. Non, Peut-être un peu trop. on fera ça dans la prochaine, c'est pas bien grave. Oui, non, mais c'était juste pour te le signaler. J'allais dire une connerie, je l'ai complètement avalé du coup. Moi, t'as dit tout le temps des conneries, donc. Oh, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Que 90% du temps, c'est pas tout le temps. Là, je retrouve pas. Non, ça veut pas venir. Hein. Ah non, ça va Tant pas. pis. Ça va pas, quand ça va pas. Ah si, ça y est. En regardant ta vidéo, en fait, j'ai eu une grosse envie de jouer à un de mes jeux favoris du moment. C'était Super Metroid. Et c'est à ta faute parce que je l'ai fini. Allez, quoi, 2 heures après la vidéo que ta dernière vidéo, quoi. C'est Et ouais, totalement de ta mais. faute. C'est totalement de ta Alors, je viens faute. de te dire, c'est pas la mienne, hein. Ah ouais, mais c'est les créateurs de Metroid, et du coup, Pas voilà, que, quoi. c'est le créateur de Metroid et de Megaman 2. Oui, alors, s'il te plaît, hein, tu parles pas de Megaman, je suis en pro avec lui. Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait quand même? Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Megaman, toi, quoi? Je suis tombé sur un article sur le net, hein, des merde, comment ça s'appelle? Des producteurs du jeu Megaman, hein, d'un certain article dont ils nous avaient fait baver pendant une certaine époque, à une certaine époque surtout, À qui nous? oui, nous deux, hein, même un collègue à nous, Ah, tu d'un parles du certain, fameux. laisse-moi finir, d'un Non, non, certain non, non, jeu non, en non, ligne non, on parlerait pas. où le mec il a dit une semaine avant de se rétracter, bien sûr, oui, le jeu va être repris et on va améliorer les graphismes, puis on va plus se tourner vers le côté MMO. Pour finir par ouais non finalement on abandonne encore une fois le projet hein. Ah bah bien sûr. Donc Megaman, je suis en froid. Bah écoute, Même si j'adore Megaman, hein, c'est pas d'aujourd'hui, hein. je suis en froid. Ouais, bon, c'est comme ça. Oh chat, t'es tu Wow. Coupé au montage. Ouais, je pense aussi, ouais. Ah, il est sorti tout seul, celui-là. Re, désolé. Alors, Éternuement très violent dans ma gorge, j'ai encore mal, vous avez qu'à voir. Oh, ça, c'est un gros bras, ça. pendant qu'il la coupure, en fait, on a eu un petit texte qui parlait des dunes changeantes ou mouvantes. Oui, c'est là où Et on est. changeantes. Donc, à mon avis, on devrait tomber sur des gros monstres. J'en sais rien, mais là, y a un gros bras, t'as vu? Ouais, je suis en train de regarder, ouais. Piste map, quoi. Bon. C'est le genre de jeu que t'aimerais faire en coop, quoi. Ah, bah ça. Pas toi, développeur, hein. Ah, Non, c'est du niveau 17? je vais les insulter si je parle directement aux développeurs. Donc... Ça, je crois que ça va être un peu galère à niveau 17, quoi, pour moi. Mais non, ça passe. C'est quoi, c'est un tank, ça? C'est nouveau, ça. C'est classe, n'empêche. Aïe, 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 Wow, qui t'est arrivé là? aïe, 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 Ce sont ces fameux missiles qui te tirent dessus, là? J'en sais rien, ça fait mal.
Ouais, on y va pas, Mac. Bon, de toute façon, mon robot le plus fort, ça restera Mac pour l'instant, je pense, hein. Ben, c'est celui que t'as depuis le début, donc t'as dû beaucoup plus évoluer que le reste, quoi. Ouf, ouais, non, ouais, à 64, tu mets autant de temps à buter un ennemi. Ça fait un peu beaucoup, quoi, de DPS à mettre dans leur gueule. Merci, j'avais remarqué. Encore que j'ai les robots qui font vachement mal. Ouais. Je sais pas par où il faut aller, c'est par là. C'est tellement ouvert que tu sais pas par où il faut aller, quoi. Y a pas une carte? Ah si. D'ailleurs, mes amis, mes amours, mes emmerdes, on est à la dernière zone du jeu. Déjà? Mais ouais, ça, là, ça, c'est la dernière map du jeu, ça. Parce que regarde, là, c'était le triangle, le fameux endroit au début du jeu. Ah oui. Là, c'est le vaisseau. Pop, 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 tu marches, tu vas là. La deuxième zone, avec le premier donjon. Là où tu vois la première fois Victor. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas compris, Victor, c'est le gros singe, hein, petit rappel. Un gros singe blanc qu'il faut, en fait, je pense, et boss de fin. Tu marches un peu, bam, tu arrives à la sorte de ce qui reste d'une usine. Là où tu as 7, justement. Et pam, 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 on arrive là. Le vaisseau de Duncan. Et donc, du coup, c'est la dernière zone du jeu. Enfin, il est tellement gros le bras qu'il est carrément sur la carte. Hein. Ah bon? Ah Ah oui, bah ouais. ouais, bah voilà. J'avais dit qu'il avait un gros bras. Tu peux pas le rater. Alors, par rapport à l'histoire, tu t'en penses quoi de l'histoire là où tu en es? C'est encore beaucoup trop vague. À ce point? Ouais. Et je dirais d'ailleurs que c'est un point négatif du jeu, c'est que ça avance pas beaucoup vite. Hein. Je sais plus combien j'ai d'heures de jeu, j'ai combien ça, je crois que j'en ai. Ça commence à faire quelques-unes déjà. J'ai plus fort le programme. Mais pour le genre de jeu que j'ai, je trouve que ça commence à devenir longué, quoi. C'est peut-être le reproche que je lui ferai parce qu'il n'y a pas d'avancement dans l'histoire, il n'y a pas. On en a eu un peu aussi. Mais pas non plus des trucs auxquels tu t'attends pas, quoi. Il n'y a pas eu encore de gros drama, quoi, comme on dirait. La drama queen. Ouais, c'est ça, si tu veux. Ah, je vais me tenir. Ah non, c'est mon Mac. Non, ça manque encore. C'est pas mal, hein, tu me diras, ça te force à jouer. Hein. Mais c'est vrai qu'il manque un peu. Il manque un peu de l'histoire. Hein. Ça va pas assez vite. On sait que Victor c'est le méchant, bon ça on l'a compris. Mais pourquoi il est devenu méchant, ça on sait pas encore. Bon, si on le sait, j'ai oublié. Oh, ça arrive à tout le monde d'oublier des trucs comme ça. Quand l'histoire s'étale trop, au bout d'un moment tu l'oublies, quoi. Surtout que je joue quand j'y peux, parce que entre le boulot et YouTube, c'est pas facile. YouTube qui a encore changé sa politique, au fait. Ouais, ça on s'en bat les couilles, franchement. Oh oui, total. Il y en a un qui a très bien résumé ce qu'il fallait dire, c'est Squeezie. Bon, je dis qu'il a très bien résumé ce qu'il fallait. Toi, tu as regardé. J'ai évité de regarder Squeezie, c'est pas du racisme, c'est qu'il m'ennuie fortement quand il. Oui, mais sur sa dernière vidéo, par rapport justement à cette politique à la con, il a très bien résumé ce que c'est ce qu'il fallait. C'est arrêter de savoir comment se déroule le. Ah oui, c'est pas le seul à l'avoir dit. Hein. Non, mais voilà. Arrêtez de vouloir savoir comment se passe l'algorithme et posez-vous la question quand est-ce que vous avez fait la dernière fois une bonne vidéo qui vous plaisait vraiment. Voilà, ça résume assez bien ce que un youtubeur français, américain, italien, espagnol, n'importe quoi ce que tu veux, devrait se dire. Donc sur ce coup-là, je dis bravo parce que c'est quand même c'est un gamin qui dit ça. Parce qu'il a quel âge maintenant? Ah oui. Il a 20 ou 20 ans, pardon. Alors là. Donc quand tu vois que c'est un gamin qui dit ça en premier, ça me. Parce que je suis le premier, j'ai entendu dire ça. Hein. Bah, regardant les youtubeurs américains, ça me fait assez. Il y en a qui l'ont dit bien avant, quoi. Ah, non, j'en sais rien. Moi, en tout cas, de ce que j'ai entendu, Japsitika, il en a parlé, hein. Et pourtant, il a fait une vidéo dessus, mais c'est pas pour parler de ça. PewDiePie, pareil, le seul truc qu'il a moyen qu'il a trouvé de faire, c'est ouais, si ça arrange pas, je supprime ma chaîne. Ah non, c'était une blague. Ouais, non, mais. C'était une grande blague. Voilà, c'est.
Marty Puller, je suis content parce qu'il a pas réagi, il a bien fait. Enfin, c'est pas qu'il a pas réagi, en fait, il a réagi, hein, mais il a simplement dit je vais pas vous en parler parce que voilà, ça vous regarde pas et ça vous intéresse pas. Voilà, c'est pas son, c'est pas son problème, c'est pas le problème des abonnés, des viewers, des gens qui regardent, c'est le problème des youtubeurs. Voilà. Tout simplement. Nous, c'est pas notre problème parce qu'on est pas rémunéré par ça, nous on fait ça juste pour le plaisir. Wow, on s'en fout, mais d'une force. Nous, à la base, nous on fait ça juste pour le plaisir, on n'est pas rémunéré. Vous avez bien vu, de toute façon, la qualité n'a pas changé depuis qu'on est là. C'est sûr. Arrivera un jour où elle changera quand même. Arrivera un jour où elle changera parce que pour le plaisir. Oui, non, mais ça c'est dans le futur. Mais pour le moment, on fait de la merde, on s'en contente et puis on se marre dessus, c'est tout. Hein. Ah ouais, c'est juste pour le plaisir. Hein. On ne cherche pas à être les premiers de YouTube ou quoi que ce soit. Très loin, d'ailleurs. Juste des vidéos pour s'amuser. Hein. Bah, à la base, c'est surtout parce qu'on a des collègues qui sont très très bornés. Mais alors, quand je dis borné, c'est chez borné. Ils alors, ne jurent que par les consoles. Mais que par quand ça. On veut leur monter ce qu'ils ratent sur PC. Et c'est con parce que je joue à un jeu à la base qui est console. Hein. Mais il le joue sur PC. Mais je joue sur PC. Oui, je sais, on est littéralement accro au PC. Non, c'est pas question d'être accro au PC, c'est juste que quand je vois les gens, ouais, mais PC c'est cher et tout. Ouais, c'est cher. Mais derrière, quand tu vas acheter un jeu sur console, ça va te coûter 670 euros. Tu vas l'acheter sur PC, ça va te valoir 30 euros. Et ouais. Donc en fait, ce que tu mets dans ton, ce que tu mets le prix de ton PC, tu le mets pas dans le prix de tes jeux. Et bien évidemment, on ne parlera pas des jeux Tipiak. Qui revient à. Je vois pas de quoi tu parles. Voilà, hein, on en a pas parlé. Bon, à part ça, je suis mort comme une merde, moi. Ouais, j'ai bien vu, ouais. Et on avance pas dans cette histoire. Bon. Écoute, on va faire la YOLO. On trace! On trace! C'est ma solution dans tous les jeux où j'ai pas envie de tuer du Stromon, quoi. Oh, mais surtout que là, c'est vachement mal tué, je sais pas pourquoi. Je dois pas être du tout au niveau. Bah, ils sont un peu 18 là, hein, ce que tu tues. Ouais, mais c'est pas grave. Moi, je suis niveau. Je sais pas combien d'ailleurs. Hein. Je suis niveau 10. Ouais. Ça se fait, ça se fait. Eh, oui. C'est le fameux en haut de marque que tout le monde m'a demandé. Hein. Il ne sortira jamais hein, parce que c'est pas ma série, je vous rappelle. Hein. Oh, je vois, c'est des niveaux 7 en plus. Ah, tout à l'heure, c'était des 18 que tu affrontais. Je pourrais le faire. Ah putain, pourquoi j'ai tiré cette. C'est ça en fait. C'est ces bombes à la con là. Désengueulé. Mais non, mais c'est pas extrait que je veux faire. Attention, je vais éternuer. Faut que je me retienne. Faut que je parle. Tu peux éternuer. Ah, moi, du coup, ça m'a fait passer l'envie d'éternuer. Hein. Mais je vais pas galérer contre ça quand même, je vais bien y arriver. Pas possible. Rappelle-toi tes années sur Pac-Man. Waku, 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 waku. Bizarrement, je me rappelle plus de Miss Pac-Man. Ah non, moi c'est Pac-Man l'original. Ah non, mais Pac-Man est l'original. Bizarrement, je me souviens plus de Miss Pac-Man qu'autre chose parce que c'était Miss Pac-Man et plus de mon époque. Tout simplement. Oui, je sais, je suis vieux, merci de me le rappeler. Bah, bon, je suis aussi vieux que toi, je connais Miss Pac-Man. C'est plus récent, Miss Pac-Man. Ouais, c'est 80. C'est quelle année d'ailleurs, Miss Pac-Man? C'est 80. Fin 80. Oh, années 80, 90, non? Ouais. On va couper, je reçois un coup de fil, excusez-moi. Bravo les amis. Excusez-nous. On a eu... enfin, j'ai eu un petit empêchement qui nous a permis de couper la vidéo un peu, de faire une petite pause. Ouais. Du coup, ça m'a permis de remettre les idées en place et peut-être y arriver à passer cette fois. C'est ça en fait, j'ai besoin de ça. Mais je sais pourquoi je meurs, hein. T'inquiète pas. Parce que je suis malade. C'est vraiment pratique de faire si ça devient l'excuse pour tous les mecs qui crèvent dans les jeux vidéo, franchement, honte à toi. Bah quoi ça... En même temps, c'est vrai, tu peux pas bien jouer à un jeu si t'es malade. Je sais pas, j'ai jamais autant bien joué à Megaman quand je le voyais au ralenti avec 42 fièvres. Bah moi, justement, ça compte pas. Parce que là, c'est vrai que t'as un peu l'impression que j'ai, c'est plus que loin. Allez, fais ton boulot, toi. Bah non, merde, j'ai attaqué les mauvais. Ils ont l'air un peu casse-couilles, ça. Un peu légèrement, ouais. Oh,
Surtout que Mac il fait lanter qu'à sa tête. Il est allé chercher notre groupe. C'est rien du tout. Oh là 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 là. Je crois tu que vas oui. te faire... Tu vas te faire défoncer, fuis. Je me casse. Ouh, faites chier. Je vais aller sur la main, moi. Tout à l'heure, je cherche à aller sur la main. Pour faire le plus gros fuck du monde. Je crois que je peux le faire. Est-ce que je peux bouger les doigts? Vous m'aurez pas. Ah putain, on a eu. Comment je suis un lâche, je suis un combat. Ah mais il y a des combats que tu ne peux gagner. Bah il y a un peu, quasiment 6 niveaux de différence quoi. Donc ça ira. En plus je vais pour avoir des pièces à un coffre, donc c'est nickel. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Où il va? Ah, d'accord. Ah mais c'est pour activer la main. Non, c'est pas la main ça, c'est un autre endroit. Et c'est tout là-bas. C'est le truc là-bas, là, tu vois. Ouais, c'est un bras. Non, une c'est épaule. Pas un bras, ça... ça ressemble à une épaule de robot géant, quoi. Ouais, bah écoute, hein, il m'en faut trouver 5, ça va être plus long, je pense, parce que vu la donne. Ah, mais c'est ça, en fait. C'est les... c'est le robot... Oh Gypsy Danger pour... Danger pour de Pacific Rim, en fait. Oui. C'est son bras. Ah bah putain. Ça fait un sacré machin. T'imagines le twist? Ouais! C'est le futur, en fait, futur, futur! Vous êtes bien sur la Terre et ça c'est Pacific Rim, les restes! Putain, ça serait le temps. Mais du coup, au niveau 20. Oh t'es vraiment sûr que tu dois aller là-bas toi? Bah ouais, mais je crois en fait que. Alors ce qui est bien dans le jeu, c'est qu'il n'y a pas de dégâts dessus! Je vois un truc briller vers là-bas. Ah, zone interdite, c'est peut-être pour une bonne raison qu'elle est interdite cette zone. Waouh! Le mec, c'est un sniper. Je sais pas du tout ce que je fais. Hein. Je sais pas combien de temps on va rester bloqué ici. Je crois que tout le monde se le demande en fait. On va rester longtemps bloqué ici, je le sens bien. Mac, je sais même pas où il s'est barré. Bah je sais pas, il y a un gros cadenas à côté. Je peux même pas l'appeler en plus. Ah! Apparemment il y a un stone. Ah bah là, le que j'ai trouvé s'est mis là. Il m'en faut 3 verts. Et combien de rouges il m'en fallait? Beaucoup. D'accord. Je dirais presque une dizaine. Non! Ouais, il me semble bien, ouais. Non, 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 t'as fumé toi. Ah, je suis plein. De la neige? Non, c'est que du sable. Enfin, sur mon écran, ça ressemble à de la neige. Hein. Ouais, c'est le jeu est tellement carré. Je précise que le jeu est en configuration de base à. Donc, rien changé. Et c'est du sable. C'est que du sable. Hein. Il va falloir que je shoot dans toute cette zone. Mais ça, c'est énorme. Ah, nouveau donjon d'arène. Intéressant ça. C'est quoi le cadenas que tu as sur Mac? Je sais pas. Ça se trouve en fait. À mon avis, il doit être trop loin. Ouais, à mon avis, tu as dû le bloquer sans le vouloir. Maintenant, je suis censé aller là-bas. Tu devais sans doute avoir un autre moyen pour y aller. J'aurais dû prendre cette. Bon, écoute, on va aller au point de l'objectif. Hein. Ma foi. En évitant les sortes de tanks scorpions dégueulasses. Ah, il faut que je parle, si je vais éternuer sinon. Fais-moi parler. Alors, comment se passe ton aventure jusqu'à présent? Ouh, putain, lui il a l'air d'être gros. Attends, je crois qu'il t'a vu. Violette, je te parle un coup, il y a un boss qui m'intéresse. À choisir équipe. Mac et 7, Mac et Duncan, 7 et Duncan, Mac et 7. Non, mince, je me suis trompé. Mac et 7 que je veux, c'est Duncan et 7. C'est où? Je veux dire équipe, 7 et Duncan. Il est classe 7, hein? La nouvelle version. Ouais. Je kiffe bien, moi. Je suis en train de réfléchir à quoi il me fait penser. Qui? Ça va, ça va?
Ouais. Moi, il me fait penser à un personnage de... Bah, bizarrement, de Mad Max. C'est le chanteur, celui-là. L'ouverture dans ta face qui t'a mis, mon gars. Ah, et sans anesthésie, quoi. Aïe. Il t'a fait une amputation de ta vie, quoi. Aïe. Je peux me relever, s'il vous plaît? Non. Juste non. J'imagine bien le jeu, c'est... Je peux me relever? Non. Bon, bonjour, je retente. Viens là. Viens là, mon petit salaud. Puis j'avais l'air de lui faire des dégâts. Non, le... Tu fais des dégâts, mais ça va te prendre une plombe. Il a un prisme. Faut que je le fasse, hein. Oh, mais j'ai tout. Est-ce que, je crois qu'on va là-haut, à la base. Je crois surtout que tu vas aller vite fait dans une autre zone, parce que celle-là, elle est beaucoup trop haute pour toi, quoi. Mais c'est le seul endroit où je dois aller. Je te dis, à mon avis, t'as pas dû faire gaffe, t'as dû rater le chemin qui t'a mené directement là-bas, quoi. Eh, sans déconner, t'as vu la taille du bras? T'aimerais pas le voir en train de s'activer, ce truc? Ah si, si, je serais le premier à être content que s'il s'active. Ah, il faut dire que je suis un fan des gros robots, hein. Là, d'ailleurs, les automates, je leur chie à la gueule, par contre les robots géants, ça y est. Une vieille série de manga, je sais pas si tu l'as vu. Hein. Enfin, une vieille série de 2005, hein, donc elle est pas si vieille que ça, tu vois. Il est toujours Eureka 7. Je connais. Tu l'as vu? Pff, ouais, ça remonte à un moment. Bah oui, bah, elle date bah, depuis de 2005. 2005. Ça remonte à 2005, oui, effectivement. Qu'est-ce qu'il faut activer? J'ai découvert ça il y a pas longtemps, j'avais jamais vu cette série, peut-être que je la regarde. Mais pas mal. C'est pas mal, effectivement. Wow. Pas pratique. Ah ouais, ça je kiffe. Ça, j'adore ça. Ah! Ça j'aime moins. Ah! T'as aimé! C'était limite. C'était limite. J'avoue que là. Oh là là. Tu as joué un peu avec la vie de ton perso. Avec elle. Je suis pas sûr. C'est génial. Tu sais pas à quel point je suis heureux que ce soit toi qui le fasse. Si, si, je pense bien. Moi, je en vrai, tu me donnerais un robot qui me permet de faire ça, mais je me régalerais. En vrai, tu me donnes le même robot qui peut faire ça, je le transforme à quelque chose d'autre. Un robot blanc. C'est la première fois que je les vois, les blancs. Ah, il y a un message. Oh, c'est un message de Violette. On comprend pas ce qu'elle dit, Violette. Ça sert à rien qu'il nous donne des messages. Bleu, 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 bleu. Ouais, c'est presque ça. Pourquoi il y a une cristal rouge, là? Pourquoi pas? Oh, c'est intriguant. Je suis Edgar King! Oh, hop, 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 hop! Wow! Sympa la déco! Petite radiation là, ça faisait mal. Donc je finis ma connerie. Je suis Edgar King! Le cristal de Diablo a disparu de notre monde! Ah bah il est sur une autre planète habitée par d'étranges créatures métalliques! Ah bah non, il est pas perdu, il est là! Il est très phallique d'ailleurs. Il est beaucoup plus phallique qu'avant, je trouve. Bah, t'as vu dans Diablo 3, c'était carrément une gonzesse, alors excuse-moi. Ouais, mais là encore, voilà, c'est pas une pierre, c'est une gonzesse. Dans le 2, c'est carrément une pierre, quoi, et c'est très phallique. Hein. Ah, il y a un coffre là-bas, il me faut. Et ça me dit qu'il me faut une canne. Oh là là, la maladie. Oh la classe! Encore de nouvelles pièces! J'ai tellement de pièces que je serais plus con en faire. Mais... Bon, on va ouvrir la porte. Tu devrais les tester. Ah, il t'en manque un. Ah non. Ah non, j'avais les droits, j'avais même pas fait gaffe. Insérer orbe. Condition. Ah, il te faut un niveau. Il te manque 5 niveaux. Ah! Il me manque 5 orbes et je vais être niveau 16.
Ouais, excusez-moi, je suis pas habitué avec les levels de ce jeu encore. Shit, shit. Il y a un coffre en bas. Bon, écoute. Déjà, on a vu où il fallait qu'on aille. On va passer après la zone au peigne fin pour farmer comme un gros porc. Qu'est-ce que t'en penses? C'est ce qu'il va falloir que tu fasses, malheureusement. Mais on va faire ça dans une prochaine vidéo, je pense. Ben oui, je pense aussi. Ben voilà. Oui, ça nous arrive parfois de penser. Non, mais je pense trop en ce moment. Je Ah, pense tu par-ci, penses? je pense par-là. Tu penses que tu penses trop? Non, je pense que je pense trop en fait. C'est pour ça que je suis malade. C'est ça. Non, mais je vais faire tout chez tout le monde hein, au fait que je suis malade, hein, je te rassure. Hein. Je sais Crois-moi pas plus du tard. tout où je vais. À mon avis, par là-bas, ça risque de piquer. Je sais pas, j'y vais, on verra bien. Hein. Là, tu sors, t'as un putain de robot géant qui te tombe sur la gueule. Non, mais forte chance que ça m'arrive, hein, tu vas voir, avec le plus QQG. Regarde-moi ça. Il y a un caillou qui vole là, je crois que c'est un bug ça. Je crois que ce jeu a pas de bug, quasiment pas de bug. Hein. Bon, ça. C'est pas comme un des jeux récents que j'ai vu en bêta test là. Oh. Lequel? Ah, j'ai oublié le nom, mais c'est un truc qui devrait sortir en 2017. J'ai vu une vidéo de test. J'espère qu'ils vont corriger ça, quoi. Bon, par La contre, moitié là. du décor était vraiment dégueulasse, quoi. Ouais, mais un truc comme j'ai dit, c'est un bêta test, c'est pas mieux. Pas sérieux sur ça. Non, 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 non! Même Putain, pas? je croyais vraiment qu'elle Oh. allait mourir. Non, mais je vais pas me battre en fait. Je suis pas du tout niveau. Vous avez peut-être pas eu le temps de voir ce qui s'est passé, mais j'ai vu un putain d'obus atterrir. Ah, non, mais si. Ah, si, si, si. Oh là 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 là. Bon, on va se retrouver dans une autre vidéo, hein. Au revoir tout le monde. Ciao.